Bonjour à tous. Nous sommes au Salon international de l'agriculture où nous échangeons sur la souveraineté alimentaire, sur l'avenir de notre agriculture française et européenne. En tant que vice-présidente de la Commission du commerce international au Parlement européen, je suis bien sûr interpellée sur l'accord de commerce entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay. L'Union européenne souhaite relancer cet accord. Le président de la République l'a redit en venant au Salon. La France continuera de s'opposer à cet accord tant il ne tient pas en compte les considérations environnementales et de concurrence déloyale. C'est la position que j'ai défendue aussi au Parlement européen quand nous avons fait adopter cet amendement « Pas de Mercosur en l'état ». Parce que nous ne pouvons pas demander à nos agriculteurs de faire des efforts de plus en plus considérables, que ce soit avec nos objectifs du pacte vert, que ce soit sur toutes les questions environnementales, sanitaires, et pour autant, importer des produits qui ne respectent pas ces normes. Il nous faut de la cohérence. C'est pourquoi nous continuerons de dire à la Commission européenne que cet accord n'est pas acceptable en l'état.